Un an après son investiture, le 29 novembre 2015, le président Roch Kabore reste inébranlable, n'en déplaise à la critique et aux contradicteurs de l'opposition. Ses propos sont du docteur Salifou Diallo, président par intérim du parti au pouvoir le Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui au cours d'une conférence tenue le samedi 3 décembre, répondait aux préoccupations à lui poser par les hommes de médias. Une conférence faisant office de bilan de l'action de l'exécutif, vue par les partis alliés. Je crois qu'il faut être objectif. Le président Roch Kabore a été élu par la majorité des Burkinabés. Et je puis vous confirmer que la majorité des Burkinabés continue de lui faire confiance et de porter l'espoir en lui, à travers lui. Ce n'est pas parce que ceux qui ont perdu les élections écrivent deux ou trois lignes qu'il y a une ambiance morose dans l'ensemble du pays. Des prouesses acquises selon les alliés se traduisent en acquis par le maintien des fondements de l'État républicain en évitant la déchirure du pays, l'élargissement des libertés démocratiques et la mise en œuvre de son programme présidentiel par tout un ensemble de réalisations. Il faut reconnaître qu'après 27 ans d'un pouvoir effectivement qui à un moment donné a été décrié, des tares qui ont été dénoncées, il fallait travailler à créer les sillons du développement économique et social de notre pays. Moi je crois que c'est peut-être en 2017, avec la réalisation du PNDS et le budget qui est en train d'être voté, qui constitue le premier budget du gouvernement de M. Paul Kabatieva, qu'on pourra véritablement évaluer les différents, les résultats. Quant au front social, marqué ces derniers mois par les revendications qui fusent de toutes parts, les alliés, tout en reconnaissant que certaines sont légitimes et fondées, demeurent convaincus qu'ensemble, avec le peuple insurgé, de grands défis pourront être relevés, avec notamment le financement conséquent du programme national de développement économique et social.